Salut à tous, c'est Megiddo. On continue dans les beat'em up de Capcom avec Dungeon and Dragon Tower of Doom. Jeu sorti en 94, toujours sur CPS2, il me semble. Bon ben, je connais pas trop ce jeu. Jamais essayé. Bon ben, on va le découvrir. Voilà. J'ai mis des crédits et on y va. Ah, on a le choix entre donc un combattant, une elfe, un nain et un prêtre. Bah, je prends le combattant. Algar? Mais qu'est-ce qu'il voulait? Oh, ça c'est une surprise. Bon bah, je vais mettre un nom. Et voilà. Moi, je ressemble pas tout à fait à l'image que j'avais au début. Hein. J'espère que c'est moi. Ouais, je le dirai chez moi. Bon. Ça a plus l'air d'être un hack and slash plutôt qu'un vrai beat'em up. Parce que là, on se bat quand même à l'épée. Tiens, il y a un bibliobus qui a perdu ses bouquins dans le coin ou quoi? Je me fais attaquer par des. On dirait. Je sais pas, on dirait un croisement entre un écureuil, un lapin et une souris. Ils sont énervants ces saletés! Ils sont. Ah, je peux pas récupérer le bouquin là. Paf, tant pis. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il me veut. Bon, bah, on va continuer son petit bonhomme de chemin. Là, maintenant, je suis dans une grotte. Ah. Donc, alors, on a une touche pour taper. Animation pas mal, quand même. Pour sauter. Une touche donc pour sélectionner les items et une touche pour les utiliser, d'accord. Assez compliqué hein, par rapport à un coffre piégé. Ah bah ça l'a tué aussi. Y'a rien pour me soigner. L'ambiance sonore est pas mal. Graphiquement, c'est beau. Enfin, à part que bon, pour le moment, j'affronte toujours les mêmes bestioles. Bestiaire pas très varié. Donc, c'est une découverte. Hein. Si on me l'a conseillé, je vais faire. Donc, je me suis dit, je vais faire les donjons et dragons. Mais bon, avec un titre pareil, on a plutôt envie d'avoir un RPG qu'un hack and slash beat'em all. Hein. Allez, viens là, toi. Enfin, un nouvel ennemi. Voilà, petite fille qui l'indique où aller. Un marteau. Encore un marteau. Ah, si j'avais un marteau. Comment ça, ma vanne est pourrie. Ah, des flèches. Ah, j'ai oublié une petite pièce. Oh, tant pis. Ah. Je pense que ça est le premier boss. Il n'y a pas de coup spéciaux quand on appuie sur sauter coup de pied en même temps. Je suis déjà mort. Ah, j'aurais dû changer de personnage. Oh, tant pis, je suis allé trop vite. Il est mort ou quoi? Ah, je sais qu'il y a une pièce d'or là. Il n'y a rien pour soigner. Hein.
Ah, je vais me faire de la thé, là. Ah, moi, je suis encore mort. Oh. Ah non, j'ai gagné. Je crois que j'étais mort. On décompte des points. Je sais même pas combien j'ai. Moi j'ai plus assez. Excusez-moi. Bon, alors on peut s'acheter des petits bonus, donc ça c'est sympa. Bon ben, on va continuer ce petit bonhomme de chemin. Donc pour moi ça c'est un quinclage, hein. C'est pas un bisémol, hein. Ah, un griffon. Ah, c'est fort le griffon, hein, je trouve. Encore un griffon. Ah, il m'énerve là, les petits écureuils, je sais pas quoi là. Ah bah c'est pratique l'huile. Ah, les bonus sont pratiques, mais faut juste savoir s'en servir. Putain, on voit que je joue les rades, hein. La moindre pièce, juste pardon, de la récupérer. T'as personne ou quoi? Y'a quelqu'un? Mais votre garde a été tué par. Ah, on peut choisir où on va aller, d'accord. C'est pas mal. Donc ça fait un jeu non linéaire. Enfin, mais de là savoir si ça influe sur la fin, j'en ai aucune idée. Mais je crois pas. Encore eux. Ah, putain, y a toute une. Il y en a combien de ces saletés? Comme je dis, donc c'est un jeu que je découvre, hein. Donc j'ai jamais joué. J'ai oublié une pièce. Là je choisis mon petit bonhomme de chemin. Ah, ça t'est. Et puis c'est quoi cette phrase qui nous sort à chaque fois là? Ah non, je suis encore mort. Mais je peux pas changer de personnage. Je le garde jusqu'au bout. Ah, oh, c'est énervant ça. Hop, je récupère la petite monnaie. Il y a une coriace, cette saleté. Putain, et pour une fois que mon chat est pas là, c'est mon nez qui me démange. Une gamine. Ah, sans ma boss. C'est un 5 ça, ou enfin je sais pas quoi. Un manticore, d'accord. Je cherche pas, je bosse. Ah, j'ai plus rien. Donc on peut le voir, c'est un jeu qu'on peut jouer à la base à 4. Mais bon, l'univers fait plus RPG que bon.
Sûrement pour copier Golden Axe, mais je trouve que c'est assez foireux. Je sais pas. Il a l'air bien le jeu, mais c'est l'univers que je trouve que c'est l'univers qui me plaît pas. Bah, faut dire, moi, je suis pas grand fan de tout ce qui est Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux et compagnie. Pourtant, j'aime bien jouer à des RPG, mais des RPG un peu plus Final Fantasy, Dragon Quest. Mais tout ce qui est comment dire, je sais pas, Donjons et Dragons, tout ça, bah, les RPG classiques, disons, vous savez, ce qu'on joue avec des petites figurines là, enfin, les RPG papier, va chercher le nom, je sais pas, ça me plaît pas. Oh bah j'ai plus un rond. Je m'achète des trucs au pif, hein. Ah bah là, pour changer du tramway, du métro, du bus, ils nous ont fait le bateau. Bah faut dire, je voyais mal un train ou un bateau là-dedans, hein. Ah, ça t'est, moi. Mais, ah, ils sont énervants. Bon, un jeu, donc, pour ceux qui aiment bien l'univers, mais c'est Donjons et Dragons, mais moi, personnellement, ça me plaît pas. Je dis pas qu'il est mauvais. Il a l'air assez bon. Sûrement jouissif quand on y joue à plusieurs. Ce qui devait être le cas pour Captain Commando. Mais là, je sais pas. Là aussi, il manque un petit truc. Puis c'est peut-être le côté hack and slash. Que j'aime pas trop. Bon ben, je suis mort, je vais arrêter là. Bon ben, on se retrouve sûrement pour le deuxième Donjons et Dragons. Allez, à plus.